艾丽呢，王女士您好，您是这次集美博物馆王克平雕塑展策展人之一。王克平的雕塑呢是当代艺术作品，集美博物馆呢专注收藏古老的亚洲文物。为什么会想到将王克平的作品与这些千年艺术珍品并列展出呢？Alors, cette idée, en fait, m'est venue il y a de nombreuses années, quand j'étudiais l'art ancien chinois à l'école du Louvre. Je venais écouter mes cours dans ces salles-là. Donc, le musée Guimet est un musée que je connais très très bien. Je connais très bien sa collection. Et donc, Wang Keping étant aussi mon père, je connais très bien aussi ses sculptures. Et quand je voyais toutes ces œuvres, je ne pouvais pas m'empêcher de voir le lien qu'il y avait entre les sculptures de mon père et ces chefs-d'œuvre de l'Antiquité chinoise. La relation n'est pas directe, mais à plusieurs niveaux, on peut créer un vrai dialogue entre les œuvres de Wang Keping et la collection du musée. Par exemple, dans le traitement des sujets, on peut voir que Wang Keping aime traiter les oiseaux, qui est vraiment un thème incroyable de l'histoire de l'art chinois. Wang Keping a également réalisé des vases. On peut voir dans cette salle l'importance des vases antiques, des vases en bronze qu'on trouvait dans les tombes des empereurs chinois. Dans le traitement des femmes, toutes ces figurines funéraires, ces femmes, ces courtisanes qu'on trouvait dans la sculpture Tang, la sculpture Han, sont aussi un vrai sujet traité par Wang Keping dans ses sculptures. Cette femme à demi allongée, elles sont assez caractéristiques des sculptures de Wang Keping, puisque c'est une femme qui est représentée dans son corps, avec une tête, des cheveux, sa poitrine, ses bras et ses jambes. On voit que tous les détails du visage ont été supprimés pour aller à l'essentiel. Son visage est suggéré uniquement par un ovale entouré d'une petite chevelure. En fait, ce que dit Keping, c'est qu'il ne cherche jamais à être ressemblant, mais il ne veut pas être non plus complètement abstrait. Donc, comme le disait Tsi Bai She, il faut se situer à mi-chemin entre la ressemblance et l'abstraction. Il y a une parfaite intégration des œuvres de Wang Keping dans la collection du musée Guimet, à mon avis, parce qu'il y a une continuité dans la stylisation des formes. Et je trouve que c'est vraiment une réussite, parce qu'on retrouve cette simplification dans les films, dans les formes et dans la sculpture qu'il a, qu'on retrouve dans les anciennes pièces du musée Guimet. Donc il y a vraiment un écho et un dialogue dans cette démarche de simplification qui est vraiment remarquable. Il y a des œuvres traditionnelles, datées, et puis Wang Keping, c'est des œuvres contemporaines. C'est à la fois, c'est un Asiatique, d'accord, mais enfin, c'est tellement différent que, voilà, on peut toujours faire des rapprochements, ça c'est sûr. Enfin bon, c'est pas, il a pas, on lui a pas demandé de copier ou de s'inspirer des œuvres, il a été libre. Donc voilà, c'est cette liberté par rapport. J'aime bien la sculpture en général, j'aime bien l'art contemporain en général, et Wang, c'est très original. Parce que personne ne lui ressemble, il fait une œuvre qui est tout à fait personnelle, forme très simple. Repliée sur elle-même, très, très sensuelle. Voilà, c'est très érotique, si on veut, d'une certaine façon. Vous voyez, c'est comme ça. Elle fait des animaux, des femmes, et il y a toujours la même chose, la même caresse, la même tendresse plastique, si vous voulez. Vous voyez? C'est ça qui m'intéresse. Alors, ce que je trouve remarquable dans le travail de Wang Keping, c'est son universalité. C'est un travail qui est à la fois ancré historiquement dans ce début de l'art contemporain en Chine et qui en même temps va aussi dialoguer avec une histoire beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui rend son travail extrêmement pertinent dans ce type de rencontre formelle. Nous sommes dans la salle de l'archéologie chinoise du musée Guimet, qui est une salle extraordinaire. Et aujourd'hui, on voit que des formes utilitaires et des formes abstraites ou des formes pures dialoguent par-delà l'histoire, par-delà le temps. On voit que certains gestes techniques avec le matériau, comme le bois, se retrouvent dans d'autres objets beaucoup plus anciens. Et on voit donc que c'est une œuvre qui prolonge une histoire ancestrale.
mais qui a aussi sa singularité et son rapport à la contemporanéité. Ça, c'est très important de le dire. Je pense que ce qui est vraiment important de retenir sur l'œuvre de Joaquin Phoenix, c'est qu'à la fois très, très contemporaine et très intemporelle. Et cette double dimension de rapport au temps nous fait réfléchir à un temps long d'une histoire qui nous dépasse complètement, qui dépasse l'échelle humaine, même si c'est une œuvre qui parle de l'humanité, qui parle de la condition humaine, de la solitude de l'individu, du rapport entre l'individu et l'autre, l'un et l'autre, mais aussi l'un et la société, la collectivité, et que ces thèmes, qui sont des thèmes intemporels, qui appartiennent à toutes les sociétés humaines, résonnent de façon absolument remarquable dans cette confrontation.